Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 juillet. Il est à peu près 8h30. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vlogger ma journée puisque j'ai un tas de choses à faire avec les chevaux, des activités qui concernent les chevaux, etc. Donc je me suis dit que ce serait bien sympathique de vlogger toute cette journée qui s'annonce très chargée. Donc là, je vais direction ma maison pour commencer toutes les activités du jour. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la vidéo de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous allez voir, j'ai du pain sur la planche. Ah oui, au fait aussi, dans ma dernière vidéo, je disais que le monsieur du foin n'était toujours pas venu faucher. Mais maintenant, le problème est résolu. Always say the wrong things. Ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment. But my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have. Alors là, me voilà au pré avec de l'eau, des fils de fer parce qu'il faut que je répare la clôture en bordelais qui part en cacahuète, et une pince à tique parce que j'ai vu que Baya a une tique vers l'oreille. Voilà. It's no surprise, been this way for all my life. Never happy, always looking at the other guy. Never happy, just comparing, I'm dissatisfied. Bad anxiety, always on thin ice with my life. Trying hard to smile lately. Kinda hard when I feel like everybody hates me. Practice hours every day, but I don't feel amazing. Always want more, when what I need's in front of my eye. Never feel like I'm good enough. I'm good enough. I never feel like I do enough. Alors là, aujourd'hui, j'arrive et je me rends compte que Baya a décidé de changer de style en se faisant des petites mèches vertes un petit peu partout. Là du coup, j'ai fait à peu près toutes les petites activités de ce matin que je devais faire. Donc j'ai amené l'eau là derrière dans les bassines, j'ai enlevé les tiques que Kim et Baya avaient, j'ai réparé la clôture de barbelé, et là maintenant il va falloir que j'attende mon père pour qu'on commence à charger les bottes de foin dans son camion pour les amener dans le garage qu'on a en location, là où on stocke le foin. Il est à peu près 11h20, mon père m'a rejoint, on a fait déjà un chargement dans le camion. Là on est en route pour aller vers le garage, et aussi on a retourné toutes les bottes du pré pour qu'elles sèchent en dessous puisqu'elles sont humides à cause de la rosée. Nous voilà arrivés au fameux garage.
Alors là, il est à peu près 14h30, je crois. Tout à l'heure, on s'est arrêté vers 13h, on a pris le temps de manger. Et là, on recommence et je pense qu'il y a encore au moins 7-8 trajets à faire. On en a déjà fait 3 ce matin. Donc ça va être long parce qu'en plus, il fait très très chaud. On a quasiment fini, il nous reste 9 bottes à décharger dans le garage. En tout, on en a chargé 206 et c'est très fatigant. Là, j'en veux plus. Heureusement que c'est le dernier déchargement et après, c'est fini. Et voilà.